Salut tout le monde, on se trouve pour un nouvel épisode sur Open Size 4. J'avais pas réalisé, mais la Moscovie a perdu des terres face aux Oirats et aux Bouriates qui ont réapparu. Probablement qu'elle a eu des révoltes et qu'elle a pas su les gérer. Peut-être grâce à moi, vu que je vais couper la ligne. On a un nouvel événement, protection ottomane. Désolé l'Espagne, mais je préfère booster mes provinces en les rendant beaucoup plus efficaces commercialement. Voilà, donc une dernière revendication sur lui. Pas une province dont j'ai absolument besoin. Oh, une mine d'or. C'est très appréciable une mine d'or, non? Allez, on la revendique, on la prendra. Dans le dernier épisode, on s'était occupé des Mamelouks. À la fin du dernier épisode, je leur avais laissé trois provinces qu'on prendra dans une prochaine guerre et qui me permettront de débloquer pas mal de nouveaux claims, de nouvelles revendications un peu partout. Je voulais améliorer mes relations avec l'Espagne, on va probablement lancer la guerre d'abord. La Bohème m'aime beaucoup, bien que je lui ai fait un coup de barrière hongroise. La Moscovie, à mon avis, est définitivement affaiblie et ne gagnera plus contre Pologne, Suède, Danemark et tout. N'osera plus s'attaquer à l'Oirat, même si elle doit rester une des premières puissances militaires au monde. Moscovie, 58 000 hommes. Non, pas une des premières, mais eux, ils ont la moitié de ce que j'ai. Le Bengale et Bahamani, c'est des très gros morceaux. Mais donc on va attendre un peu plus que mes armées arrivent. Je dis mais peut-être que m'attaquer à Delhi d'abord, c'est futé. Lui, il est gros aussi. Il y a Vijayanagara et défendu par le Bengale. Ou Bahamani. Bon, peu importe, les deux sont très gros. Bahamani. Si jamais il y avait un troisième, c'est peut-être Delhi. Delhi, si jamais il était aussi puissant que Bengale et Bahamani, il ferait l'autre tiers de l'Inde. Je sais pas si le Vijayanagara est allié à beaucoup de gens ou pas. Peut-être qu'on peut avertir Bahamani, lui dire tu touches pas à mes voisins. Mais en vrai, je m'en soucie pas beaucoup. À combien de provinces sommes-nous? J'ai l'impression que ça bouge pas très souvent. Parce qu'on est déjà à 2-350 avant. Mystérieux. On est toujours à trop, ça. J'attends enfin, vainement. Pas vainement, non, mais j'attends les boosts qui vont arriver au niveau 20 maintenant. Ils sont très intéressants, qui me permettraient de repasser en positif si je l'avais maintenant. Mais je ne l'ai pas. Refusez, vous ne passez pas, vous vous battez mal si vous n'arrivez pas à passer, et puis tant pis. Oh, j'ai beaucoup trop de gens qui ont tenté de passer par là. Alors que nous n'avons pas plus de libre passage. Est-ce que laisser une armée de 27 là-bas, c'est pas trop. On va dire que tout le monde est sur le coup. C'est un gros pays. Qu'est-ce que ça donne l'expansion par là? Toujours 28, 42, 44. Je peux pas vraiment prendre des provinces par là. Et c'est dû au fait que j'ai beau prendre des provinces vachement loin, ça impacte quand même Venise, Sillé, et dans une moindre mesure l'Autriche, Ferrare et tout ça. Et ils se retrouvent mécontents juste pour ça. Sillé, je sais pas trop pourquoi j'ai beaucoup de surexpansion sur eux. Croatie, j'en ai pas tant que ça. Venise, à la limite, ils ont une province ici, peut justifier, mais par exemple, Gênes, ils ont pas grand-chose. Je pense que c'est plus lié à la capitale que à ça. Ou alors parce qu'ils les ont dans une compagnie commerciale, ça compte pas vraiment comme si quelqu'un prend des provinces à côté, on prend l'expansion agressive. La Lodi n'a pas d'alliés, et je me disais que
C'était des provinces très faciles à prendre. Voilà, c'est fini la guerre en Alodi. Enfin, c'est pas pleinement fini, mais c'est bouclé. Darfour, peut-être que je pourrais les attaquer aussi. Ils veulent bien être vassalisés, mais après, il faudrait que je les annexe avec des points et tout, et ça me casse un peu les pieds. Et ça me permettrait d'avoir une frontière avec le Yémen, que je pourrais aussi attaquer. Il a fâcheuse tendance à rentrer dans la coalition contre moi tout le temps. Autant qu'il ait une bonne raison de le faire. J'ai pas pris une seule province depuis le début. Il me casse quand même les pieds. Bahamani. Bengale. Ou alors Delhi. On va faire Delhi d'abord, ils ont plus d'alliés. Et ils ont des provinces riches que je dois prendre. On va fusionner ces deux armées. Voilà, c'est fini. Ils avaient une grande série de revendications de provinces légitimes, c'est ça? Ouais. Ils les ont plus. On va. Darfour est allié à Kaffa. Et un. Premièrement, un petit état que je ne vois pas. Yémen est allié à Hormuz et Mombasa. Faisons des revendications sur le Darfour plus tard. C'est les sunnites? Non, c'est les coptes, tant pis. Les Coptes sont aussi beaucoup tolérés chez nous. Je voulais fusionner cette armée et la recouper en deux parts égales. J'ai une revendication sur Delhi. Pourquoi ne pas réclamer? Il n'y a pas de province de soie frontalière. Si, celle-là. Notre réseau doit avoir atteint une taille de 20 pour accomplir cette action. C'est une province à Kalimar maintenant. D'accord, on se chargera de lui une autre fois. C'est pas grave. Hop, Delhi, c'est le moment de perdre du terrain. C'est une guerre beaucoup plus facile. Sont déjà en train de perdre contre la Transoxiane, qui n'arrive tout de même pas à prendre le fort. Fin du siège de Delhi, je sais pas s'il était défendu. C'est juste que c'est un fort de niveau 1 probablement. Pas forcément avoir besoin d'en avoir deux. J'aimerais avoir un peu plus de visibilité sur ces provinces. Pas d'armée en vue. Transoxiane a ramené une troupe plus importante. On a leur capitale. On a notre objectif de guerre. Oh, lui, c'est un gros
pays. A-t-il de la soie? Non. Mais il n'a pas beaucoup d'alliés et on peut facilement avoir une frontière commune avec lui. Je me demande si jamais c'est pas des provinces que Delhi a perdu. Oh, bah ils ont fait la paix. Ça, c'est une occasion. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris. Mais pas un fort à Delhi. Je sais pas trop. Ah là, il y a un fort. Voilà. Faisons un truc comme ça. Finalement, on va monter jusqu'à 100 de score de guerre. S'ils ont fait la paix. Ah, lui, il peut plus revenir en arrière comme j'aurais voulu. Fin d'un siège. Ça me fait aussi une frontière avec le Bengale. Enfin, si je prenais des territoires jusqu'ici, ça me ferait une frontière avec le Bengale. Ils sont plutôt. S'est fait attraper ici. J'aurais dû faire attention plus tôt. C'est une grosse province. Hop, en quarantaine. C'est à peu près fini. Ah, j'ai cru lire. Pologne attaque Autriche. C'est tout à fait ça. Pour la conquête de territoire que je considère comme revenant à la Hongrie. Au moins, c'est pas mon allié bohémien qui fait ça. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Cette province, je l'ai revendiquée. Ensuite, Delhi. Ensuite. 52, 52, 49. Ces deux-là, elles ont. Non, pas celle-là. Voilà, et c'est fini. 200. Ça coûte 200. Pour faire ça. Ça serait plus futé de faire des revendications sur les grosses provinces du type Delhi. Sinon, je peux prendre ça. Quelqu'un risque de s'emparer de Delhi, mais comme ça, j'ai. Si je fais ça, je prends les une de trois provinces les plus au nord. On va faire ça. Voilà, il me reste Delhi, celle du Doab, et ensuite ça tape dans le Bengale. Je peux pas tout légitimer, il y en a qui doivent être hors de portée où j'ai plus les points. C'est pas grave, on aura bientôt les points. Préparons-nous dès à présent pour la guerre suivante. J'ai perdu des revendications.
C'est lui que je voulais attaquer après. Non, c'est lui. Ah. Si j'ai fait une petite bêtise en ne prenant pas d'Eli. Après, il y a Nagor. Sindé Abawa. Qui est une cible facile. Gujarati est garanti par Bahamani. Attaquons-nous à Bahamani, je dis. Ah ça, la Pologne reçoit de l'aide de son allié danois. Apparemment, le Danemark est tellement gros dans les provinces prises à la Moscovie que le nom du pays est maintenant côté moscovite et plus côté Danemark. Bon, ça va très vite, ça. Tant pis, on va déclarer la guerre à Bahamani avec le Bengale. Ça fait une grosse guerre, comme ça j'aurai le temps de tout légitimer. Et continuons les revendications sur Gujarat, par exemple. Encore des provinces à moins de 10 de dev, facile à prendre. Parce qu'il est juste garanti par Bahamani. Si Bahamani commence à tomber, parce qu'il aidera. Les tech 16, je crois que c'est très en retard sur les techs militaires. Ouais. J'avais pas pris ça en considération, mais ils vont probablement tomber de par leur faiblesse militaire assez claire. Contre, ça fait une surface immense à envahir. Par conséquent, une longue guerre. On a un peu d'inflation. Le Darfour. Croatie. Bon, je tape plus trop en Europe en ce moment. Que je devrais continuer pour pas prendre de quoi. Nogai, je peux peut-être les achever. Non, pas encore. Je pourrais réattaquer l'Afghanistan, je pense. Bientôt. Ils sont alliés à. Ah bah voilà. Voilà comment ils vont disparaître, eux, j'ai trouvé. Grâce à leur alliance avec l'Afghanistan. Ça fait des détours un peu longs, à mon goût. Restons de ce côté-là. Légalisme ou mysticisme? Mysticisme. D'ailleurs, on est à zéro. On va annuler. Ça me coûte des sous. Pour rien. Parce que c'est beaucoup trop long et on fera pas de conversion prochainement. Fort important qui est tombé. C'est celui-là qui bloque beaucoup. On va s'occuper surtout des forts. Ah ben il est tombé. C'est l'occasion d'avancer. Non, pas de passe des tours de fou. Le Knao est probablement vassal. Ah non, il est pas dans la guerre, j'ai pas fait gaffe. Moi, j'ai pas de lien avec le Danemark, le Bengale plutôt, mais si je voulais me prendre des provinces côtières, je pourrais. Et on va s'assurer que ça reste possible en se faisant une flotte plus importante de transport de ce côté-là du monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2,
5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je ferai bien quelques vaisseaux légers de ce côté-là. 4. J'ai beaucoup de territoires maritimes, autant qu'ils servent. De plus, on va faire encore un peu plus, et voilà. C'est une période qu'on retiendra dans l'histoire par l'époque des grands travaux maritimes. Voilà du monde. Ils sont très nombreux par endroits. Même si je compte sur eux pour m'esquiver, je sais pas combien de temps ils vont m'esquiver. Peut-être que je peux aller direct sur le Bengale avec ces armées-là. Ça va piquer, on peut leur mettre un commandant, on va en recruter un nouveau. Je dis ça va piquer, mais on a gagné. Il y avait 60 000 renforts qui arrivaient, il y en a 30 000 qui sont partis au moment de la bataille. Il enchaîne, mais il perd. C'est assez incroyable. Comme mon armée est tellement plus puissante que la sienne. Non, fais pas ce détour là, toi, reviens là. Là, il y a une armée gratuite à achever. Ok, alors toi, tu restes là. Hop, c'est parti. Toi, attends là, le signal. Allez, allons-y tous. Un siège de plus. On les attend. Ils continuent d'arriver. Ces petits naïfs. S'en sont mieux sortis. Je sais pas si le Bengale a moins de retard de tech. En effet. Comme quoi, une tech de plus, une tech de moins, ça joue pas mal. Ils ont peut-être aussi des meilleures idées et tout, hein. Mais en plus, avoir un grand nombre de bateaux, ça me permettrait de gagner contre des pays qui navalement ont à peu près autant de galères que moi. Ma galère étant très ancienne, elles n'ont pas la même force. Ces armées-là, finalement, vous allez remonter là-haut. Balassor, ça tombe. D'armée-là. Bengale, il prend moins 28 et lui moins 40. Fin du siège de Koda. Va tenter de s'étaler sur le Bengale. Ok. Beaucoup de monde là-haut. J'ai vu fin d'un siège. En effet.
les écrabouiller une par une. J'espère que ça vous aura plu. Il faut que je m'arrête. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo.